Salut tout le monde, c'est Kerouax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Baru d'honneur sur Dawn of War 2. Je vous avais promis que j'en ferais une autre sur la même carte pour l'instant, et j'avais également promis que nous essaierons d'aller jusqu'à la manche 20. Alors, sans pour autant dire de la réussir, nous essayerons donc d'aller jusqu'à la manche 20. Je suis accompagné de Blaze, Blaze qui est donc un Américain si j'ai bien compris. Enfin bref, je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, je crois que c'est des États-Unis qui vient. Et ensemble, nous allons tout simplement aller jusqu'à la manche 20, accompagné de quelqu'un en plus que nous ne connaissons pas. Alors Blaze, personnellement, je sais que c'est quelqu'un de plutôt fort. Il a pas mal de champions, donc Blaze, if you understand me, you're very good for me. Mais c'est on va dire ça comme ça. Bon, je suis pas super fort en anglais, mais c'est pas grave. Try to go to. Enfin. Hop. Donc pour le Baru d'honneur en anglais, ça se dit, si je dis pas last round, c'est pas mot pour mot traduit, hein, mais c'est comme ça qu'il s'appelle le Baru d'honneur. Et ça tombe très bien, nous sommes avec un Space Marines qui a un Dreadnought, donc ça risque d'être très utile. Alors cette fois-ci, je me suis dit, pour varier le gameplay, je vais jouer un petit peu autre chose que le Space Marine, justement, pour vous montrer un petit peu les subtilités. Et pour ceux qui ont joué des MOBA, en fait, pour moi, le Eldar, ça équivaut au support. Alors, vous allez me dire, d'habitude, c'est les gonzesses qui jouent au support, mais de 1, pour défendre les filles, c'est faux. Et de 2, je vous... c'est un rôle de support. Pourquoi? Parce que alors, ça a des sorts très offensifs, hein, attention. Pas du tout croire, c'est un Eldar. Un Eldar, c'est très très offensif niveau rune. Enfin, en gros, ça a de gros dégâts, j'en rappelle plus, avec le bolter surnaturel qui est là, voilà, ou la tempête surnaturelle aussi. Donc, tout est surnaturel chez les Eldar. Et ce qui est pas mal, que je dise pas de conneries, c'est que c'est la seule race, enfin non, c'est le seul personnage, on va plutôt dire, qui a la capacité de pouvoir faire une téléportation groupée, ce qui est très très, mais très 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 utile. Et franchement, j'insiste là-dessus. Parce que c'est faut avouer que c'est pété. Alors le seul problème de mon Eldar, c'est que contrairement aux autres races aussi, c'est que ça se fait poutrer la gueule très rapidement, et je préfère la jouer à distance qu'au corps à corps, voyez-vous, parce que je suis une grosse Starlouse, entre autres. Donc le but reste toujours le même, hein, c'est de survivre en faisant un maximum de score. Donc le but, c'est finalement de tuer un maximum de créatures, hein, en l'occurrence c'est les tyrannides, en un minimum de temps. Voilà. Donc pour l'instant, je me sers que d'un spell parce que les autres ne sont pas très utiles. Mais vous inquiétez pas, avec le temps, ça va se complexifier. Je vais être obligé d'utiliser les autres. Le moment est venu d'éradiquer cette infestation. Ah, excusez-moi si je lag un peu. Hein, très honnêtement, c'est pas moi qui lag. Hein, c'est le serveur qui est un petit peu. Disons que le jeu, je le trouve un peu mollasson au niveau du online. C'est-à-dire qu'il met quand même un certain temps. Que pourtant, je peux vous assurer que, enfin, actuellement, je ne sais pas, mais généralement, j'ai une très bonne co. Et c'est toujours pareil. Au préalable. D'ailleurs, ce qui me gêne un peu à dire, parce que c'est pas une vérité dite, hein, mais c'est que voilà, c'est Game Workshop, c'est ceux qui ont conçu Warhammer, donc je dis bien Warhammer parce que je comprends aussi Warhammer et Warhammer 40 000. Enfin, quand je dis concevoir, voilà, c'est eux qui ont fait le plus gros, j'estime. Puis très honnêtement, je pense même que c'est eux qui l'ont créé, si je dis pas de conneries. Toujours est-il que c'est vrai que après, j'ai envie de dire la claque d'Anno War 2, parce que même si le jeu est pas mal, selon moi, il est vraiment, enfin, il est pas mal, quoi, puisqu'il se rapproche du jeu de plateau. Je ne pense pas qu'on aurait de Dawn of War 3 un jour, parce que bah, tout simplement, la boîte, j'aimerais pouvoir dire le contraire, mais je ne pense pas qu'elle va durer longtemps, malheureusement, parce que faut avouer que bah, c'est un style de jeu pas très connu. Vraiment, je pense que c'est ça le gros défaut du jeu, c'est qu'il soit vraiment pas connu. Je sais pas après, hein, peut-être que je dis de la merde ou quoi que ce soit, mais j'aurais tendance à dire que ce style de jeu, qui ressemble quand même pas mal à un MOBA, enfin en l'occurrence c'est pour Baru d'honneur que je dis ça, mais même en mode campagne, hein, ça ressemble plutôt pas mal, je trouve que bah, ce jeu n'est pas assez connu, et voire même est très différent de son prédécesseur, encore une fois, qui ressemblait bien plus à un Command & Conquer.
ou un Age of Empires quand même. Ou à plein d'autres jeux qui ressemblent à Age of Empires et comment déconquer. Voilà. Je vais y arriver. Alors là par exemple on va pouvoir admirer toute la faiblesse de mon Eldar. Voilà. J'ai perdu les trois quarts de ma vie en deux coups, c'est magnifique. Au secours, au secours. Petit coup de bolter, putain j'ai même pas eu le temps. Parce que j'ai pas de protection contre le renversement. Du coup ça fait que si je me prends un coup, bah je prends très cher. Et en plus de ça, mon perso est knockback. Donc knockback, c'est-à-dire je suis en mode oh je suis en train de me relever, je prends tout mon temps et je peux encaisser plein de coups en attendant. Donc on arrive à la vague 6, des orques, des peaux vertes, comme dirait la garde impériale. C'est pas les seuls à le dire. Alors encore une fois, comme je parle, c'est vrai que je me mets pas non plus sous les bons couverts. Et je vais faire appel à la tempête. C'est pas très utile, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu voilà, le pouvoir un peu des Eldar. Hein. Avec le bolter sans naturel, c'est pas mal, mais bon, la tempête, c'est quand même mieux. Voilà. On a pu voir un petit peu l'efficacité. Sachant que très concrètement, je vais jouer à partir de la manche 10, que avec ça, limite. Parce que, bah, on va dire, c'est mieux. Mais il me reste encore deux sorts, le G et le H, mais à quoi servent-ils? Eh bien vous le saurez si vous continuez à regarder cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous les verrez forcément. Enfin, mon bolter c'est en naturel, ce qui est bien avec lui c'est qu'il est très très efficace quand... Enfin, après il a des chances de fail. C'est-à-dire que des fois vous tirez un endroit et voilà, il va faire soit 2 kills, soit... Putain, en plus de ça j'ai balancé le sort, ok c'est magnifique. Alors ce sort nous permet d'être invisible, donc du coup mon cadavre est invisible, c'est magnifique. Et je suis mort comme une merde. Si j'aurais pas lagué, j'aurais pu justement le faire plus tôt et peut-être éviter de mourir. Voilà. Je vais faire un petit tic quand même. Voilà, alors là par exemple mon coup n'est pas parti, je ne sais pas pourquoi. Je vais avoir recours à la téléportation. Alors là vous me dites mais pourquoi tu vis son drain now? C'est parce que la tempête elle fait plus des dégâts en AoE autour de la cible. Ça c'est clair que les tyrannies ne méritent que la mort. Alors ça me fait chier parce que je suis déjà mort une fois à la manche 8. Mais bon, comme je vous l'ai dit, un Eldar c'est très fragile. Je déteste ces saloperies de créatures. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des ormagos, des... On va appeler ça les créatures casse-couilles d'Eldar. Alors nous sommes arrivés à la vague 9. Donc la vague 9, c'est les Eldar, si je dis pas de bêtises. Voilà. Faut juste que je trouve par où vont venir les branchies. Voilà, par là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Oui, alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui suis médium, c'est le jeu qui est ultra scripté. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas du skill à proprement parler. Ça aussi, c'est pareil, ces espèces de tourelles portatives, elles font ultra mal. Les toxines. Heureusement que je l'ai aidé. Bon, alors c'est là qu'on va commencer à se marrer. Donc, on va se téléporter. Tac. Je vais essayer de nettoyer cette zone dès que les Space Marines arrivent. Allez-y, tirez-moi dessus. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que j'ai un bouclier qui se met quand je fais ma tempête. Ce pourquoi je ne prends aucun dégât, hein. Je tiens à préciser, parce que c'est pour ça que la tempête est surcheatée. Hein. Parce que sinon, j'ai le bouclier tout seul à part qui me bouffe la moitié de mon mana. Donc, enfin, du mana de la tempête, donc je passe de 50 à 25. Mais bon, je préfère quand même la tempête. Ah, notre Space Marine s'est tombé.
Alors oui, je sais que c'est relou, les je transmettrai votre message, mais la prophétesse se sent obligée de le dire à chaque fois que je tire avec le bolter surnaturel. Bon, vague 11, nous arrivons donc aux Shock Boys. Shock Boys, ce sont les hommes qui peuvent... qui sont très relous par ailleurs, puisque là, niveau renversement, voilà, y en a pas mal aussi. Les Shock Boys, c'est donc eux, voilà. Donc on va essayer de la jouer un petit peu tactique. On va se foutre là. Bon, alors c'était pas très tactique, je pensais que les Shock Boys allaient venir sur ma gueule. Mais au lieu de ça... Putain, j'ai encore mis l'invisibilité en même temps que je... C'est magnifique. Vas-y, tu vas survivre. Ah, il faut être poli dans la vie. Il faut remercier ceux qui nous sauvent la vie. Donc voilà, moi je personnellement, les tyrannides c'est un petit peu, enfin le prince tyrannide c'est un petit peu, j'aurais tendance à dire la classe la plus, enfin pas la plus dure à jouer mais la moins mobile parce que c'est le seul à ne pas avoir de téléporteur, enfin de moyen de déplacement rapide, une espèce de charge mais a priori même lui ne s'en sert pas. Voilà, disons que on est avec un professionnel, voilà. Et il joue bien du coup le mode hardcore puisque il incarne le prince tyrannide, donc selon moi la pire classe. Alors c'est à partir de là que ça commence à chauffer, comme je vous avais dit la dernière fois il me semble. C'est les fantômes, les ghosts, les gros trucs qui t'emmerdent. C'est ces espèces de chars de merde qui font super mal, aussi bien au corps à corps qu'à distance. On va se mettre invisible. Alors l'invisibilité je la joue un peu mal. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis, mais bon, elle sert toujours à se régénérer aussi bien les PV que la mana. Donc c'est toujours utile. Depuis tout à l'heure, je fail mes tirs de bolter, c'est impressionnant. Du coup, je suis Chloé. Non. Voilà, l'ingéniosité de se rendre invisible, c'est ça, c'est que ça me permet de me protéger et de survivre avec le Space Marines qui, lui, n'avait pas spécialement besoin d'aide finalement. C'est parti pour la vague 13. Alors eux c'est des lance-roquettes qu'ils ont. Alors c'est. Ça peut aller, franchement, cette vague là. De toute façon j'ai même tendance à dire tout ce qui est orc, ça va. La prochaine vague va être terriblement casse-couille. Et boum, un nab dans votre gueule. Ah, les voilà d'ailleurs. Une petite tempête qui va faire des dégâts. Est-ce que par là il veut dire que je suis en train de wreck? Ah, je vais plutôt le contacter là. Yep, this. Alors oui, c'est un jeu sur Steam, au cas où vous l'avez pas fait remarquer, hein. Oh putain. Alors là, on a vu que j'ai pris très 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 cher. Hein. Contre une attaque au corps à corps. Alors, ce que j'aime pas avec cette putain de vague, c'est ces enfoirés de monstres, les rôdeurs. Si je devais trouver un mot
pour les définir, je pense que ce serait Overcasse-couille de la marque tu. Le moyen de survie numéro 1. Alors voilà, on a pu constater que même quand je suis dans un couvert vert, je prends quand même très très cher. Bon, on a réussi à survivre à la vague 14. Nous allons donc passer à la 15. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la 16. La 16, oui, oui, la 16, la 16. D'ailleurs, je ne sais pas si on va... Bon, alors, encore une fois, on est avec un expert, mais voilà, disons qu'on va avoir un tyrannide contre nous aussi, un prince tyrannide, et donc ça va faire mal aux fesses, surtout s'il m'engage. Le problème, c'est qu'il y a un sort très utile que je n'ai pas pris, et que si on perd, je pense que je vais le prendre juste après. Parce que c'est vrai qu'il est très très utile pour les manches, justement, après le... Après les... La, enfin, après la vague 15, voilà, on va y arriver. The pawn grade score on both height. J'ai peut-être un peu mal placé ma commande, c'est pas grave. Je peux la réenchaîner juste après, hein. C'est ça qui est bien, c'est que comme j'ai 125 points de mana, je peux l'utiliser deux fois d'affilée, enfin aussitôt qu'elle soit rechargée. C'est-à-dire maintenant. Alors oui, je la place très mal. Hein. Voilà, je vais faire une téléportation groupée. Putain. Non pas parce que eux ils avaient des emmerdes, mais parce que moi j'en avais. Et voilà, la téléportation, comme je vais dire groupée, me permet de téléporter mes alliés. Et quand je dis mes alliés, c'est aussi bien les alliés non jouables. Hein. Le Dranauf, je peux le transporter également. Alors finalement, le problème de l'Eldar, hein, c'est pas ses PV, c'est son mana. Hein. Parce que malgré le manque de PV, enfin c'est même pas les PV en fait le problème, parce qu'on a tous 100 PV finalement au début, et après on augmente maximum de 100 PV ou 125, le véritable problème de l'Eldar c'est son armure. Hein. Elle a très très peu de résistance. Là par contre faut que je sorte parce que mon grenade ça fait mal au cul. Et donc c'est parti pour la manche fatidique. Nous nous consacrons au combat. Allez, 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 allez. Mon Eldar, mon Eldar, mon Eldar, mon Eldar. Ok. Ok, je sais pas où est passé l'Eldar. Elle est morte. Je crois qu'elle est morte. C'est parfait. On essaye, on essaye, on tente. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana, j'ai plus de mana, j'ai plus de mana et je me mets invisible. Voilà. Le Space Marine s'est tombé, bien entendu. Je vais l'éliminer. Je transmettrai votre message. Putain.
Putain de merde. J'ai merdé. Téléportation. What the fuck? Il y a eu un sacré bordel. Can live this man, T and sorry Diana. Il faut qu'on y arrive. Putain les salauds, du coup eux aussi ils ont le pouvoir de téléportation. Et oui, ils ont les mêmes spells que vous. Hein. Oh oh. Et oui, encore une fois, si je peux tempête, elle peut aussi. Fuck. Fuck, 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 fuck. Je sais pas comment il compte survivre. Sorry. Ouais, là c'est encore perdu pour la manchaise à mon avis. À moins qu'il survive, j'ai quand même des doutes. Mais bon, on ne sait jamais. On peut dire qu'il a vraiment toute l'armée au cul. Là, il devrait réussir à réanimer assez rapidement le Space Marine s'il peut avoir le temps. Ah, la téléportation qui va faire chier peut-être. Allez, t'as le temps, Prince Tyranny, t'as le temps. Ah non, il veut me réanimer moi. Pour le téléporter sûrement juste après. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Putain. Ah, il était encore en CD, bah oui. Ah. Nos CD. Je vois vraiment pas comment il peut faire pour survivre, parce que le problème c'est que l'Eldar du coup a une move, comment dire, a de la move, donc du coup peu importe ce qu'il essaye de faire, il doit le faire très vite, mais vraiment très très vite. Ah, il va réussir à sauver le Space Marines, en espérant que le Space Marines n'est pas AFK. Oui, c'est bon, le Space Marines vient me sauver. C'est parfait. Et boum, allez salope, meurs. C'est bon, bon. On se retrouve en 3v2. Ah putain, il l'a réanimé. Allez, allez, bouge pas. Putain, quel enculé, le focus, le tyrannide. Bon, elle est conne, mais bon. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est ce bouclier. Ce tyrannide est un cauchemar. Oh, 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 oh. Oui, nous allons y arriver. What? Je me suis fait tuer par le miasma toxine. Wouhou.
Non, 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 tu t'éloignes. Tu recules. Oui! Nous avons réussi la vague 16, mesdames et messieurs! Voilà, c'est pour ça qu'il faut jamais baisser les bras et dire que j'ai osé croire que notre prince tyrannie d'ici présent pouvait perdre. Eh bien non! Donc qu'est-ce qui nous attend, vous voulez savoir, après la vague 17? Eh bien comme vous pouvez le voir, si vous connaissez un minimum l'univers de Warhammer 40 000, il y a des putains de Carnifex. Qu'est-ce qu'un Carnifex? Bah c'est ça, c'est ce gros truc qui poursuit le pauvre Space Marines. Là, je vais être plus utile pour faire le ménage déjà. Et il y a également un Lictor Alpha. Je vais mourir, d'accord. En fait, depuis tout à l'heure, je spammais le bouton T, mais en fait, ma tempête était en CD. Donc du coup, je sers à rien. Voilà. C'est fantastique. Alors là, on peut voir une armada. Voilà, c'est que je sais pas si ma tempête est en CD. Allez, 3, 2, 1. C'est bon, j'ai réussi à la placer. Et boum, 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 boum. Voilà, alors ça c'est un Carnifex qui m'a bouffé en... J'étais mid-life. Alors il peut tuer le Lictor. Va-t-il y arriver? Ça c'est une autre... Oui, il a réussi à tuer le Lictor. Alors en fait, à chaque vague après la 16, il va y avoir une créature spéciale. C'est-à-dire comme un héros, en quelque sorte. Et là, en l'occurrence, donc c'était le Lictor Alpha qui est en haut à gauche. Ah, du coup, il prend cher, mais ce qui va surtout faire mal, c'est les Carniflex. Carniflex qui sont vraiment terriblement puissants en termes de dégâts. Le problème, c'est aussi les guerriers, les rôdeurs qui peuvent le bousculer. Enfin, je sais pas s'il a un truc inébranlable ou pas. Ça c'est très bien, il a réussi à se débarrasser des rôdeurs. Il reste plus qu'un guerrier, voilà, maintenant il reste 3 Carniflex à tuer, donc on va réussir à s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Cette manche est difficile, franchement, et dites-vous bien que finalement, mis à part avoir placé deux petites tempêtes, c'est le tyrannide qui a fait le plus gros. Encore une fois, c'est celui qui s'est chargé de rester en vie et de nous réanimer derrière. Donc voilà, très très bon... Par contre, il va peut-être emporté par le souffle. Putain, il l'a bien placé. Là. Voilà, donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Qu'est-ce qu'il peut faire que ce soit pire que ça? On est à la vange 17 et encore une fois, il y en a 20 au total. Donc on peut se dire, mais que va-t-il se passer après ça? Que peut bien-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez bien assez tôt, ne vous inquiétez pas. Le corps à corps, mais bon, le problème c'est que mon bolt surnaturel n'est pas très efficace. Encore une fois, c'est à partir de là que j'aurai besoin du sort, de The Sort, mais je ne l'ai pas. D'ailleurs, j'ai oublié de me régler à distance, comme ça au moins je suis sûr que mon personnage n'ira pas au corps à corps. We'll pretty much have to spam conceal and stun to stay alive. Yep, I know. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir le big boss Gorguts. Big Boss et les boîtes qui tuent. Les boîtes qui tuent sont des machines qui tuent. Boîtes qui tuent, machines qui tuent, bah c'est pas drôle. Donc déjà on en a éliminé une, c'est très bien. Je vais rester dans les angles, voilà, voici le Big Boss Gorguts. Big Boss qui va être ma foi très très relou. La
Allez la tempête, allez la tempête. Alors, le problème de la tempête, quand même, franchement, c'est son délai d'incantation qui est vraiment très très relou. Et j'essaye de faire un minimum de victimes parmi les origines. J'enchaîne avec la TP. Allez, 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 allez. Bon. Donc c'est ça qui est pas mal avec l'Eldar, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait finalement c'est que de la Storm et de la TP. Le problème c'est que des fois voilà, j'ai quand même pris cher entre le moment où mon TP se finit, le moment où ma tempête se finit et le moment où mon TP s'active. Il y a quand même un petit délai. Délai pas très pratique. Cette tempête était certes bien placée, mais elle est pas très efficace contre les boîtes qui tuent, je trouve. Téléportation. Voilà, donc la téléportation nous permet de faire gagner énormément de temps parce que aussi un truc que je voulais préciser c'est voici la portée de ma téléportation. Oui elle fait tout le terrain, si je vais au milieu elle fait tout le terrain. 19 minutes de Space Marines Dead and the Blood Letters. Allez, deux boîtes qui tuent qui tombent. Voilà. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Ouais, ou alors il y en a eu trois, je sais pas. Désolé de vous être débarrassé de cette boîte qui tue. Je ne voulais pas faire ça. Enfin, comme elle me focusait, si, mais je voulais pas vous téléporter vous, mais j'ai pas le choix. Faire le scout. Alors j'essaye d'avoir un maximum de mana régène parce que c'est vrai que c'est limite 1 mana par seconde qui me régénère. Donc... Ouh, 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 ouh. On voit mes PV mais sans voler. I can rush them at the start, probably get half with miasma at least. Ouais. Putain il me focus hard et ça me fait mal aux fesses. Bon, je leur laisse tuer le big boss, comme ça, derrière, je pourrais... Voilà. J'ai pu récupérer toute ma vie. Space Marines, venez par ici. Oups. Bon c'est pas grave, j'ai le Dreadnought avec moi. Et oui maintenant c'est les Space Marines, donc du coup il y a des Dreadnought aussi ennemis. Mais moins visible. Ah celle-là elle est pas mal, les portes. Les portes qui trollent notre allié. Avec la TP direct là parce que le Space Marines vite 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 vite. Oui. Nice. I do my best man, I do my best. Et boum. Sauvetage. Bon il reste encore pas mal de troupes. Mais je pense qu'on peut s'en sortir.
Voilà, alors c'est vrai que quand on n'y pense pas forcément, mais je vous jure que la première fois qu'on arrive à un tel niveau de jeu, je ne parle pas de moi bien entendu, je veux dire par niveau de jeu, quand on arrive à la manche 19 pour la première fois, mais on est tellement en mode pétage de câble, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est, je vous jure, je vous assure que c'est ultra difficile. Ah putain, allez, viens là. Notre prince tyrannide est tombé, on peut pas gagner sans lui. Hop, téléportation. Alors ce qui est bien aussi, je le précise pas, mais je le précise au fur et à mesure, c'est que ma téléportation téléporte aussi les cadavres. Du coup, je peux téléporter un allié mort pour le sauver ailleurs, tout simplement. Allez, allez, 3, 2, 1, je peux avoir deux Drahnauf. Et boum! Un seul, peut-être le deuxième. Oui, parfait. Téléportation. Chut. Alors ça, c'est ce que j'appelle une jolie esquive de barrage de missiles. Alors les Space Marines, ils ont une putain de protection qui les rend vraiment, j'allais dire presque immortels. Et vous allez donc voir très bientôt, à mon avis, la manche 20, parce que nous allons réussir à gagner la manche 19. La manche 20 qui est finalement... selon moi, mérite largement sa place dans les... Voilà, ouais, j'ai fait le con. Donc je disais qu'il mérite largement sa place dans les meilleurs cliffhangers de jeux vidéo, voilà. Que se passe-t-il, vous me dites, une vidéo. Alors, faut se mettre bien dans le contexte, on est sur Dawn of War 2. Il n'y avait pas de DLC encore prévu à ce moment-là. Et là... Qu'est-ce qu'on apprend au roulement de tambour? Devinez, qu'est-ce qui peut surgir de cette statuette? Un Space Marine du chaos! Et là, je vous jure que quand vous apprenez juste que c'est un Space Marine du chaos, alors qu'ils sont même pas dans le jeu, ils sont pas dans le jeu, ils sont dans le DLC, le DLC il était pas encore prévu, et qu'on se rend compte qu'il a réanimé tous les héros, c'est-à-dire le Lictor, nos héros à nous, mais version méchant qu'on a combattu à la vague 16, et tout ce bordel, et qu'en plus il invoque des putains de démons de malades. Voilà. Donc si on arrive à survivre, encore une fois, ce serait un travail d'équipe, parce que là, clairement, je ne pourrais pas dire que ça a été fait tout seul. J'espère, hein, j'espère que nous allons y arriver. Bien que, voilà, comme on peut le voir, c'est un sorcier du chaos, oui, en fait, c'est ça. Et je fais de la merde, et je suis mort. Bon, bah voilà, donc à mon avis, la manche ne va pas durer très longtemps. Voilà, en tout cas, j'ai pu vous montrer la manche 20 comme je le voulais, donc c'est cool. Après, c'est pas encore fini, encore une fois, on peut avoir la même surprise que tout à l'heure. Bien que j'ai d'énormes doutes. Ça prend tout sur la gueule. Voilà. Bon, c'est pas grave, on n'a pas eu la victoire, mais nous avons réussi à aller jusqu'à la manche 20. Et franchement, je vous assure, encore une fois, bon, ce jeu est sur Steam. Je sais pas si vous allez l'acheter, je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une putain de bonne expérience de jouer à ce jeu. Mais... Après, c'est le baroud d'honneur, hein. C'est un des modes que propose le jeu. GG Worldplay. Voilà, en tout cas, thank you very much, Blaze. On a réussi à aller à la manche 20 grâce à toi et aux Space Marines, dont j'ai oublié le pseudo qui figurera dans les commentaires. Ça a été vraiment une très bonne partie. J'ai réussi à vous montrer la manche 20, j'ai pas réussi à vous montrer la victoire, c'est pas bien grave, y a pas de grande différence. Bah, tenez, je vous mets au défi, voilà, je vous mets au défi de terminer la manche 20 et de me l'écrire en commentaire si vous y êtes parvenu. En attendant, je vous dis à la prochaine tout le monde dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!